Hey guys, I hope you are doing good. Salut tout le monde, monsieur Rafa. Welcome back to your English course, which is Langmark Method. Bienvenue encore dans le cours anglais noir qui c'est Langmark Method. Dans la vidéo aujourd'hui, on va continuer et avancer avec nos surtaro et continuer à prendre produit ou bien encore construire et dans la langue, ok? Donc, si tu as raté n'importe quelle vidéo avant, pas hésiter à regarder parce que couillon, encore, m'a toujours dit ça, c'est une sorte d'enchaînement, ok? Que des bagailles que je prends déjà dans le cours qui passe, donc, je ne vais pas retourner sur encore bien que il y aurait paraître là, ok? Je vais simplement dire, mais qui ça paraître là, ok? Donc, l'important pour toujours prendre notre, ok? Ou même qui voulait parler anglais avec nous tout bon, pas oublier, ou bien il faut pas pour faire, ok? Il faut pas là, c'est prendre note, réviser ça au théorie déjà, et puis continuer à regarder vidéo, ok? So, today we're going to talk about present continuous and past continuous. And then we're going to talk about the verb to have and have to. Okay, have to. Okay, from to have. Okay. Bon, je dis à nous parler de présent continu, passé continu. On a parlé de verb to have qui veut dire gagner. Ok, là veut dire moi gagner tel bagage. Ok, pour parler de possession. Ok. Ensuite, have to. Et expression have to, ok, qui sortit et dans même verbe to have là, ok, pas loin, et yo conjugué même genre. Donc have to c'est pour permettre ou dire moi dois faire tel bagage ou dois faire tel bagage, ok, on va apprendre en pile et on va pratiquer en pile comme d'habitude, ok. Donc n'a placé present continuous, ok. Present continuous, bah on va bailler trop de détails sur emploi temps encore, ok, c'est et present continuous le plus souvent utilisé pour parler d'une action qui est en cours et dans le moment où on parle, ok? Et si on a dit ça, on fait là, vous voulez dire map manger, map danser, map baigner, ok? Ou utiliser present continuous, ok? Et puis ensuite past continuous, ok? Et pour parler d'une action qui était en cours, si vous voulez dire moi tape manger, moi tape baigner, moi tape danser, etc. Et bien moi gagne past continuous, ok? Et donc, au cas où comment l'important pour expliquer tout de ça, on a besoin de connaître ça, ok? Et, ok, so let's get started, ok? On nous commence. Present continuous pour conjuguer un verbe, ok? Au présent continu, ok? On a besoin de verbe to be, ok? Be, mettez be là plus verbe à conjuguer là, et puis on va ajouter ing là-dedans, ok? Et ma gain verbe to be, ok? Be, ok? Nous t'ai parlé de verbe to be déjà dans la vidéo passée, donc et à regarder vidéo à sauter rater ou bien sauter pour note regarder carreau, ok, parce que là moi pas et fait toutes et personne ne parle, ok, moi considère 4 non, donc c'est à vous même et ou te regarder vidéo avant ou déjà ouais reste simplement tout mais qui ça est manqué, ok, voilà, ok, on va conjuguer verbe to be d'abord, ok, j'ai que théorie déjà, ok, ensuite m'a bien un verbe que cap exprimer action que m'a fait. Et puis, m'ajouter ing là-dedans. Si par exemple, action m'a fait c'est manger, ok? Eh bien, m'a bien verbe to eat, ok? Eat qui veut dire manger. Eh bien, pas oublier, toujours dire, ou pas gagner toi, ou enlever, ou simplement considérer en forme base verbe là, ok? Eat là, ok? Ou ajouter ing ya là-dedans. Ok? Si verbe to study, qui veut dire étudier, m'a étudier, eh bien, m'a simplement encore et prendre verbe la jolie, et puis m'ajouter ing salade, ok? Après, fin conjuguer verbe to be, devol, ok? Voilà. Et par exemple, moi, dit I am eating, ok? M'a manger. Si m'a dit m'a manger, laissez-moi simplement ajouter not, ok? Chante, ouais, non, verbe to be, déjà, on te parlé de là, ok? I am not, ok? Eating, ok? Forme contractée de I am, ou théorie déjà dans la vidéo sur verbe to be, c'était I'm, ok, me parler de et forme contractée là encore. Dégagez et révisez vidéo avant, révisez sinon tout est prêt, ok. Et c'est toutefois gain petit ignorance, ok. Voilà. I am eating, ok, m'a manger, ok. Si m'a dit là nous mettez côté pour pratiquer m'a manger un bagage, ok. Et I am eating something, ok, qui veut dire un bagage quelque chose, ok, something, ok. Voilà. Et you are, pas oublier de dire si so double vic par là, you are eating, ok, wap manger, et ta là, li prononcer ta couillon D, ok, li prononcer ta couillon D. Eating, eating, I am eating, ok, map manger, wap manger, ou même, kap gade vidéo, you are eating, ok, ou pap manger, you are not eating. Lap manger, son garçon, he is eating. Lap manger, c'est une fille, she is iden, ok? Bon, si c'est un chien, pas oublier de dire he et she tout capable d'utiliser pour animal, ok? Et pour aider et différencier si c'est un mâle, si c'est un femelle, yo utiliser par fait, ok? On va dire it is eating, ok? Voilà. We are eating, n'a manger nous tout net, ok? Cap garder vidéo, ok? Moi même là dans tout. We are eating. OK, et puis ensuite on va dire you are eating, nous même cap garder vidéo, moi même pas là dedans. Et puis they are eating, ok, you ap manger, ok, donc pas répéter ça là encore, si vous voulez dire, il y a deux qui manquent là, donc, et si vous regardez vidéo avant, vous avez déjà vu qui ça manque, ok, et c'est un enchaînement pour vous, pas oublier, ok, voilà, si vous voulez parler anglais, vous parlez anglais, ok, même dire ça, vous devez faire déjà, ok, voilà, quand si vous me posez des questions, si vous me dites, est-ce que je vais manger, ok, am I eating, ok, c'est toujours, et forme verbe to be point. Ok, ou inverser là avec sujet. Am I eating? Am I eating? Gon liaison. Am I eating? Ok? Est-ce que m'a mangé? Est-ce que wap mangé? Est-ce que c'est manger ou manger là? Dans le moment m'a parlé avant là. Are you eating? Ok? Est-ce que c'est manger ou manger? Est-ce que c'est manger là manger? Mais c'est un garçon. M'a dit is he? Ok? Ou quand même faut liaison là. Is he eating? Si c'est une fille, is she eating? Ok? Si c'est nous toute net, me veut dire est-ce que n'a pas mangé? Ok? Are we eating? Ok, est-ce que c'est manger, n'a manger? Est-ce que nous-mêmes, quand on regarde des vidéos, c'est manger, n'a manger? Ok? Are you eating? Ok? Voilà. Est-ce que c'est manger, y'a manger? You ap manger. Are you eating? Ok? Etc. Voilà. Et, ok? Et puis, past continuous, c'est pour parler de yon bagay que t'as fait. Par exemple, moi, dit, I was eating. C'est toujours verb to be ou conjugué de vol, mais qu'on y a, ou ap gen verb to be. Au passé simple. Nous t'ai parlé de verbe to be déjà, nous t'ai conjugué le présent de l'indicatif au passé simple. OK? Voilà, c'est même bagaille au quotidien reparaître. L'anglais c'est comme ça, OK? I was eating. OK, on conjugue verbe to be au passé simple et puis on gagne verbe là, on ajoute ing là dedans, OK? I was eating. Moi t'a mangé. Ou t'a mangé, you were eating. OK? Si on dit ou t'a étudié, you were studying. OK, simplement remplacer verbe to eat là par study. OK? Ou tap étudier. You are studying. Si m'a dit wap étudier, m'a dit you are, malé là, you are studying. OK? Et li tap jouer. He was playing. OK? Son garçon, si c'est une fille, she was playing. OK? Etc. OK? Si m'a dit nous tap travail, we were working. We were working. OK? Nous tap travail. We were working. OK? Voilà. Et nous tap travail, nous-mêmes tap regardé vidéo, moi-même pas là-dedans. You were working, ok? You tap travail, they were working, ok? Pas mettre encore, ok? Voilà. You were, they, ok? Were, ok? Voilà. Ok. Et quand on si me dit qui ça fait là? Moi, en mouvement, what are you doing? What are you doing? Qui ça fait là? What are you doing? Ok? L'aime prononcer le rapide, tia vient prononcer tant qu'on dit là, ok? Bientôt, on va parler de différentes façons qu'on va prononcer tia, tout pas inquiète, ok? What are you eating? What are you doing? Ok? What are you doing? Ok? Qui ça va faire là? Ok? Si on dit qui ça va manger là, on va dire what are you eating? Moi, là, c'est doing, non pas eating, ok? Qu'est-ce que là? Ok? Qui ça va étudier là? What are you studying? Ok? Ouais, comment c'est qu'à produire? Prenez n'importe l'autre verbe, vous connaissez tout. Et tout remplacer par lui-même. Ok, voilà. Si m'a dit, m'a mangé un bagay, I am eating something. TH là, nous te parlé de prononciation. Ok, I am eating something qui veut dire un bagay, quelque chose. Ok, Konya, si vous demandez ça m'a fait là, je voulais dire, moi chita, ou bien, moi campé, moi couché. Ok, voilà. Et bien, m'a dit, I am sitting. T'es encore prononcé ta couillon D. I am sitting, m'jis campé, ok? Et I am standing, ok? Moi j'y. I am sitting, moi chita, ok? Désolé. I am standing, moi campé, ok? M'jis campé, ok? I am lying, ok? Moi couché. I am lying, ok? Moi attendez musique. I am listening to music. I am listening, tu n'as pas prononcé, tu as silence. I am listening to music. Juste tendez qui sont tendez et puis répétez, ok? M'attendez musique, ok? M'te ka dit là I sit ou bien I stand, mais le plus souvent ils utilisé et I am sitting, I am standing, ok? Voilà. Et ce qu'on y a, c'est me dit qui ça t'a fait là, ok? Laisse-moi aller là. What were you doing? OK, pour poser question avec past continuous là. OK, passé continu. C'est toujours même là, m'a inversé forme verbe to be point. OK, avec sujet. OK, m'a dit was I? OK, were you? OK, what were you? OK, qui sorti là? You were. Remember, were you? What were you doing? OK, qui ça ou t'as fait là? What la vient dire qui ça? Et puis ou t'as fait là? OK, voilà. What were you doing? Qui ça t'as fait là? OK? Si me dit moi pas t'as fait rien. I was doing nothing. TH là, OK? Essayez, OK? Si t'as raté vidéo avant sur prononciation, allez regarder, OK? Et I was doing nothing, pas t'as fait rien. T'as fait du vrai. I was doing my homework. OK? Ainsi de suite. OK, c'est m'a dit m'tap manger, m'aller là. I was eating, OK, moi tap et OK, si me le dit moi tap tant de musique, I was listening to music, ainsi de suite, OK? Donc essayez pratiquer avec toute forme, OK? Si m'a dit yo tap tant de musique, là ça m'a dit they were listening to music. Ou tap tant de musique, you were listening to music. What tant de musique? You are listening to music, ouais? Donc essayez pratiquer mais toute forme yo en pratique, OK? Voilà. Ensuite, nous gagnons le verbe to have, OK? Verbe to have, OK? Là, c'est forme passée simple, hein? Prends et la phrase affirmative ou bien positive, OK? Donc, on a parlé de lui bientôt, OK? Verbe to have pour parler de possession. Donc, les conjuguer et même j'ai noté ouais prise, même j'ai noté ouais et par exemple, dans la vidéo avant, on a parlé de comment on peut conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, au passé simple et au futur simple. Donc verbe to have c'est même genre les conjuguables bien sujet ou bien pronom sujet plus forme base verbe là sans présence toi, OK? On pas bien toi qui paraît encore, OK? Par exemple si m'a dit moi gain un téléphone, I have, qu'on y a juste besoin connaître comment on dit un téléphone, OK? I have, OK? Or I have a phone, OK? I have a phone, OK? Et you have ou gain un téléphone, you have a phone, OK? Et lui gain un téléphone ce garçon, he has, sauf troisième personne et du singulier vin has au lieu de have, OK? Sauf lui-même qui est différent de l'autre forme, OK? He has a phone, lui gain un téléphone, c'est en fait she has a phone, OK? Ainsi de suite, OK? We have a book, nous gain un livre, OK? A book, lui écrit l'autre bas, nous parlerons bientôt. Et ainsi de suite, OK? You have, they have, OK? On a simple dit, est-ce que moi j'ai un téléphone? Do I have, OK? C'est do wap gagné, qu'a placé avant sujet. Donc, c'est tout comme moi j'ai même bail ça, moi placé do devant. Mais troisième personne et du singulier, on a pas le prendre does au lieu de do. Donc, dans la vidéo, nous t'ai parlé de présent de l'indicatif, passé simple, futur simple, eh bien, et où tu vois ça, OK? Troisième personne du singulier prend does, OK? Does he have a phone? Laisse ça. Verbe là, même si ça devient has, les noté à la forme affirmative, qu'on y a, les toujours été have. Does he have a phone? Does she have a phone? Pas dit does he has encore. OK? Devinez does là, qui donc verbe là reprend forme base lité gain, OK? Dans la vidéo avant, nous t'ai parlé des temps, nous parler de ça déjà, OK? Si on rappelle, donc regardez, OK? Regardez KO, si on prend note. Normalement, on doit prendre note, OK? Et do you have a phone? Est-ce que vous avez un téléphone, OK? J'en ai déjà dans la vidéo avant. C'est do, on gagne de votre troisième personne, yo, on gagne does, OK? Pour me poser question, OK? Do you have a phone? Est-ce que vous avez un téléphone, OK? On a m'a dit, moi pas gagné pour forme négative, moi pas fin, mettez pour tout petit point, ratio, donc parce que nous t'ai parlé, et nous t'ai fin parler de yo, au grand complet déjà, donc on pas obligé de reprendre tout encore, OK? C'est avancé, m'avancer avant. I don't have a phone, OK? Moi pas gagné, et yon téléphone. I don't have a phone, OK? Et, ou pas gagné un téléphone. You don't have a phone, OK? You don't have a phone. OK? Ainsi de suite. He doesn't have, OK? Troisième personne du singulier encore. He doesn't have, ou bien she doesn't have, OK? Ou t'es ça a déjà. Donc, me dit au verbe, to have là, conjugué même genre. C'est juste un petit rappel, le conjugué même genre, OK? Et, agent t'es non? Et, cours nous t'es gain sous conjugaison, OK? Et, sauf troisième personne du singulier là, dans forme affirmative, OK? Eh bien, m'vinge has, OK? M'vinge has au lieu de have, OK? Voilà. OK, et puis là pour passer simple là, nous gain did I have, OK, did I have a book? Est-ce que moi t'ai gagné un livre? Did I have a book? Est-ce que moi t'ai gagné un téléphone? Did I have a phone? OK, did you have a book? OK, le prononcer rapide, on liaison fait là, venez did you. OK, comme ça did you, did you. OK, did you have a book? Est-ce que vous t'ai gagné un livre? OK, j'aime te dire déjà et nous t'ai parlé de formation ou bien conjugaison d'un verbe au présent de l'indicatif, passé simple et futur simple, et puis nous te montrer comment on pose des questions, comment on bien forme négative. Donc c'est même réalité pour verbe to have. C'est ça que je pas fait de mettre tout, de mettre petit point donc et si tu comprends quoi avant et c'est même réalité. OK, si vous continuez pour quoi avant, et bien regardez vidéo. OK, voilà, si m'a dit moi gain un livre ou bien moi te gain un livre, I had a book, moi te gain un livre. OK, j'aime te dire là, et passer simple verbe yo, pour me connaître, forme pour un passé simple, l'aime bien en phrase affirmative, OK, c'est-à-dire me pas en forme négative ou bien en forme interrogative, c'est pas une question posée, c'est pas une phrase négative moins gain, et bien moins simplement de connaître qui forme verbe la prend au passé simple. Bientôt on a bien des listes, OK, on a bien des listes pour ça, OK, on simplement besoin connaître qui forme verbe la prend au passé simple, OK? Verbe to have, OK, forme pour au passé simple, c'est had, OK, moi te mettre là pour c'est had, OK? Voilà, ça qu'on nous dit I had a book, moi te gagné un livre, moi te gagné un téléphone, I had a phone, OK, ou te gagné tel bagage, you had, etc., OK? Ainsi de suite. OK? Quand y a là, moi te mette two brothers. OK, c'est m'a dit, moi j'ai deux frères. OK, m'a dit, I have two brothers. OK, moi j'ai un frère. I have one brother. OK, laissez le pape gain S là, brother. OK, singulier. Bientôt, on a parlé de tout, ça va apprendre plus de vocabulaire. Moi j'ai deux sœurs. OK, I have two sisters. OK, moi j'ai un problème. I have a problem. Et ainsi de suite. OK? Voilà. Et puis, have to, nous te mettez là pour vous. OK? Moi dire, c'est là, vous voulez dire, moi dois faire tel bagay. Ou bien, ou dois faire tel bagay. OK? Have to. OK? L'elgen to après. OK? Have là, l'elgen to après. Et bien, vin et aller dans ce pour dire, moi dois faire tel bagay, ou dois faire tel bagay. Si vous voulez dire, ou te dois faire tel bagay, qu'on y a gagné, had qui vient paraître. OK? Have là, vient prendre forme had. OK? Par exemple, moi dit, I have to. Si m'a dit, moi dois. Et par contre, qui ça, nous t'avons dit, moi dois parler anglais, ou même quand vous regardez vidéo, ou capable de dire ça, moi dois parler anglais, I have to speak English, OK? Et, ou dois parler anglais, you have to speak English. Lui doit parler anglais, c'est un garçon, he has to speak English. C'est verbe to have, ou conjugué, même genre, t'es gain là déjà, OK? Et nous tous, de parler anglais, moi-même, je fais quoi tout? We have to speak English. Nous deux parler anglais, moi-même, parler d'elle, nous-même, quand des vidéos, oui, nous deux parler anglais, c'est une obligation, OK? You have to speak English. You deux parler anglais, they have to speak English, OK? Si vous voulez dire, et moi, dois aller konya, I have to go now. Konya, c'est now, OK? Go, aller. OK? Simplement, besoin qu'on verbe, cap exprimer action, ou voulez dire, OK? Je me dis, moi dois manger, konya, I have to eat, nous te ouais verbe to eat déjà. I have to eat, OK, mais verbe to eat. I have to eat now, OK? Et faire n'importe l'autre exemple avec, même ça, OK? Aller dans toute forme, OK? Et, OK, et puis ensuite, study. OK, je me dis, moi dois étudier, I have to study, OK? Si je dis jeudi, moi dois étudier jeudi, I have to study. Today, to. Moi, j'ai chaque part là, to day, OK, today, OK. Moi, je dois étudier aujourd'hui, OK. Ainsi de suite, OK. Et puis là, l'eb la parler rapide, V ça, I have to, vin prononcer comme ça, have to. Vin go son F qui paraît là, I have to, OK, I have to, OK. Et ça, c'est un phénomène assimilation. Okay? Donc, bientôt, et puis devant, après, réalité, ça. I have to, you have to. OK? Voilà. Là, nous dit, he has to, mais l'eb la parler rapide. S la même vin, et son Z, ou te gagnant, vin paraître comme S. He has to. OK? Pas inquiétez, juste bonne idée de réalité. We have to. Au lieu de we have to. OK, les blabla les rapides, son F qui va être là. We have to, OK, ainsi de suite, OK. Donc, mettez en pratique et tout ça nous fait screenshot, OK, et bon, pendant ma parler, m'a tout bon tableau, OK, pour j'ai une opportunité pour faire screenshot, OK, et si dans mon regard des vidéos par carton pour note, et bien on fait screenshot là et puis on apprend dans moment capable ou prend note, OK. So I was very happy to bring you this video today. Okay, see you guys in another video. Okay, take those screenshots. Okay, post screenshot. Okay, bye bye.